Ok, alors salut à toutes et à tous les amis. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant, mais aujourd'hui, je suis pas tout seul. Déjà, il y a le caméraman. Qui tient la caméra, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis accompagné de Spiral Démoniac, youtubeur comme moi également, pêche à l'aimant. Et du magnéticien. Que vous connaissez. Et il en manque un, mais il travaille. Le maniement, ouais, bon, il n'est pas là. Donc nous, on va venir ici. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo de Spiral Démoniac, sur ce spot où il y a eu des remontées, je ne vais pas vous en dire plus sinon ça gâche le plaisir. Le lien de sa chaîne sera dans la description. Et en plus de ça, on me voit, c'est magnifique. Ouais, il y a un mix des deux, c'est plutôt pas mal à voir. Et donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Allez voir la vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Comme j'ai dit dans ma vidéo spéciale 200 abonnés, si vous me soutenez, vous le soutenez. Donc nous les copains, on va commencer. Vous connaissez le principe des vidéos. Au prochain travail, on vous reprend. Attends, juste avant. Voilà. Ah oui. Il est là. Parce qu'on sait jamais. Hein. Ouais, donc au pire, si le lien ne vous suffit pas. Bah là, il y a le lien, là, vous voyez là. En direct. Là. Allez, les gars. Ok, les gars, je vous reprends. Donc regardez là. Je viens de faire cette barre là. Donc, je vous la montre quand même. Et vous pouvez me croire que. Elle fait son poids. C'est pas. Comme toutes les grosses barres, on m'a donné un arbre. La mets pas entre tes jambes, ça, c'est plus un rêve qu'une réalité. Oh bah, si elle était comme ça, mon gars, j'irais consulter. Ouais, voilà. Je suis 1,70. Sachant qu'elle est pliée. Elle est pliée et il fait déjà 1,70 m. Donc. Elle est pleine. Ouais. Ah, de toute façon, je l'ai senti, l'aimant il a fait claque. Tu veux entendre si elle est pleine? Oui. Regarde, pousse-toi par contre. Ok. Bon. Allez, le magnéticien qui jette ici. Spiral Démoniac qui fait son lancer. Bon, allez, les gars, au prochain travail, on vous reprend. À tout à l'heure. L'homme qui galère. Ah, il y a du lourd, mon copain. Hein? Je vois une forme suspecte bientôt traverser la surface. Ouais, on le voit, Serge Joujou. Bah, c'est une barre de l'enfer encore. Hein? Non, c'est. Bah, d'ailleurs, j'en sais rien. Sûrement un truc de feu d'artifice, ça. Voilà. Non? Oh, je sais pas, c'est quoi, j'ai aucune idée. Voilà. Là, on voilà. Voit bien, là. Par contre. Oh, une montre! C'est. La classe, viens voir un peu ici, magnéticien, toi. Voilà. Ah, j'en ai déjà trouvé des vrais, mais qui fonctionnent, voilà, des trucs comme ça. Ça date, hein. Et en plus, regarde. Avec le. Ouais. Bon, déjà, celle-ci, les copains, elle est pas en or. Elle est pas en or. Non, ça, c'est les vieux. Votre belle-mère, non, elle est pas. Ah, pour l'instant, elle l'a pas aimanté, monsieur. Donc voilà. Sur ce, les gars. J'ai 80 ans, on va attendre. Non. Oh, le délire, il nous a fait une chaise carrément. Elle était bien, celle-là. Ah, tu m'étonnes, mon copain. Bon, qui veut s'asseoir? Ah, moi, perso, je me tirerais pas dessus, mais. Franchement? Ah, c'est du costaud! Là, franchement, tu peux t'asseoir dessus, t'es tranquille. Le trône de Thor. Voilà, c'est plutôt le trône du tétanos, mais chacun a son avis là-dessus. Ouais, bon. Non, mais. Pas mal! Lui, par contre, il a l'épée Damoclès, mais ouais. Version Lidl. Ouais. Ils sont encore en vie, les celui-ci. Alors ici nous avons une belle Bob l'éponge. Bon bah les gars, hein, sur cette superbe chaise, on vous reprend après. Bon bah voilà. C'est la double celle-là, mon copain. Ouais, on avait encore plein d'autres, ouais, là-bas. Hein. Que j'ai fait là-bas. Mais le magnéticien là-bas, il a fait les écouteurs du chavoir. Allez, ils se sont collés à ça en fait. À la ferraille qu'il y avait dedans et il les a refait. C'est des. Je sais pas c'est quoi comme marque, vous verrez bien. Voilà. Non, c'est des. Je sais pas, des Express. Ça ressemble à un logo de. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout juste. C'est vieux ça. Ouais, un peu, ouais. Et voilà. Ça existe encore. Non. Bah non. Ouais, quoi qu'il ressemble. Voilà. Ouais. Bon, bah du coup, je vais la remonter en direct. Hein. Sony, bouffe tout. Tout le monde. Normal, c'est des japonais. En ce moment, tout ce qui est japonais, machin,
On nous fait que des trouvailles sur trouvailles. Ouais, la forme spéciale quand même. Barre de fer de l'enfer. Ouais, un mini, pas grand chose. Et voyons ce que refait le boss de la chaîne. Je ne suis pas le boss. Je suis le détenteur. Le bossu peut-être. Voilà, ça regarde. Il n'y a rien là-dessus, mon copain. On dirait H-Canonix, mais. H-Canonix, H-Canonix. Sur ce, les copains, on vous reprend après. Ça va être, regarde. Ça fait deux barres en même temps. Ouais, une avec un petit crochet. Non. Eh, regarde. J'ai trouvé la suite. C'est le cage à vapeur. Ah, mais toi, tu vois, regarde ça. C'est... Non, mais hier, j'avais fait l'appel du truc à feu. Ouais. Ah, bah tiens, oui. Et toi, tu dis que c'est quoi ta spirale une... C'est le cage à vapeur. Ça, c'est pour attraper les mini-souris. Ah, tu mets juste la patte dedans en fait. C'est pour amorcer. On va avoir du nettoyage à faire, les copains, après. Ah bah oui, on va pas laisser ça comme ça. Non, de toute façon, on ne fait pas ça, nous. Ouais, c'est sûr. Bon, allez. On vous reprend après. Regarde. Ah, vous voyez, une serviette hygiénique, c'est quoi, c'est vraiment tout, hein. La serviette, quoi. Ah, spirale démoniaque nous a fait la... la serviette. Mon Dieu. Moi, je la touche pas, j'ai pas les gants. Bon, bah... Je vois pas l'intérêt de balancer ça là. Spiral, il a fait une trouvaille inédite, hein. On l'a jamais faite celle-là. Non, non, c'est un loisir. Il y a des chasseurs trésors, mais nous, non, c'est un loisir. C'est un plaisir. Ouais. Ça dépollue en même temps. Tu sais, voilà, ça dépollue en même temps. Ça nettoie l'eau. Plouf. Sur ce. Hein. Pour reprendre. Après. On refilme ou. Ouais, là, c'est bon. Bon, c'est pas le premier qu'on fait, mais après, faut aller voir la vidéo de Spiral. Ah. Et ben voilà. Ça, les poteaux de c'est ma. T'as fait le troisième celui-là. Je ne ferai pas la suite de la vanne. Bien joué, mon copain. Hey, toi, là, ça fait combien que tu fais là? Oh, hein, au moins le 5-6ème depuis que je suis venu en tout. Tu mérites des baffes à nous ramener ça. Comment on va faire pour s'en débarrasser? Bah comme on a toujours fait, on va galérer mais on va s'en débarrasser. Non, tu crois qu'on va galérer? Moi, bizarrement, j'en suis sûr et certain. Il tient, debout? Non, il tient pas debout. Si vous êtes amateur de pole dance, ça peut servir. Bon, c'est très court mais ça peut toujours servir un peu dans le, tu vois, dans le truc. Tu viens de te ridiculiser. On va reprendre après. Prise, je vais avoir beaucoup de monde. Bon allez, tu nous fais du hula hoop? Bah j'avais besoin d'un nouveau volant pour ma bagnole. Le mien il commençait légèrement à être fatigué donc. Oh. Je suppose plus sérieusement que c'est un. Il manque pas le sac poubelle? Bah je pense que c'était une poubelle à la base. À la base c'était une poubelle. Bon, je vais mettre ma robe les gars. Ouais. Attends, je vais t'aider à empiler tes portes-jartelles. Ok les gars, voilà. Bah faut montrer à la caméra là-bas parce qu'on oublie qu'il y a deux points, double point de vue en fait. Et pour ceux qui auraient pas compris, c'est là le double point de vue. Voilà les copains. Là c'est là là. L'ange. Oula, par contre là dans. Là ça brille un peu là. On a vu la prise magnifique de tout qui coule dans ton cou là. Sur ce nous les copains, on vous reprend après. Bon vas-y, on remonte. Je remonte? Ouais. Parce que ça tire. Ça tire dans le dos, j'accouille! Ah, ah, même que tout à l'heure, à peu près. Ouais. Et pour prouver, pour ce. Oh, mes abonnés n'ont jamais. Ouais, mais. Ils n'ont jamais crié au fake. On sait jamais maintenant, avec, tu sais, avec. Non, moi j'ai des abonnés qui crient pas au fake. Et pour ça, je les remercie. Ouais, mais il y a toujours 2-3 rageux, du coup, j'ai envie d'un peu me. De dire. Les rageux ne sont pas abonnés, et je les remercie de ne pas le faire. Vas-y, tant qu'on y est, on va montrer un peu ce qu'il. Non, il a rien. Il va nous faire quelque chose avec le boule de 8. Parce que depuis tout à l'heure, on bloque, et voilà quoi. Oh, je vais m'en acheter un, je te jure, je vais m'en acheter un. Deux. 400. Ah ouais. Parce que le boule de 8, il est bien, mais après, je suis plus avec ça. Il est fatigué. Ah ouais. Sinon, comme je le disais, les copains, l'ami Spirale démoniaque, n'hésitez surtout pas à aller voir sur sa chaîne, vous verrez, il y a des vidéos avec des trouvailles que vous avez jamais vu sur la mienne.
Il y a pas mal de vidéos sympas. Ouais, j'ai déjà filmé au moins 3 à 4 fois son t-shirt là, c'est bon. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis un abonné de sa chaîne, je le suis, on se suit. La même. Et n'hésitez surtout pas à aller lâcher un petit abonnement. Le petit là-bas, c'est pareil. Ben, en fait, on est abonné aux deux, à la nôtre et à la sienne. Donc, si vous voulez faire plaisir, un petit abonnement spirale, les copains. Tiens, la brochette. Il manque la brochette spirale, les gars. Il manque d'abonnés. Ah, bah moi, je te remonte un cul de canette. Ouais. Ok. Ouais, et puis ça grossit petit à petit. Hein. Voilà. Oui, en fait. C'est plus une pêche fatigue à remonter toujours les mêmes trucs qu'une pêche un scout, une voiture, un avion, un hélico. À la base de la base, la pêche à l'élan, on va s'attendre à faire des une trentaine de trottinettes à Marseille. Ouais. En référence à monsieur le barbu. Ouais, 34. Si tu me vois le barbu, check. Bon, allez sur ce, les gars, on va reprendre après. Ouah, une barrière, elle est différente de toutes les autres, elle est rouge. T'aurais pu me prévenir que t'allais lâcher. Gros, j'ai cru que t'avais fait tomber ton matos, mais non, c'est un sac. De matos, t'as fait tomber ton matos. Tintin, y'a rien écrit. C'est de l'autre côté. Bah, de toute façon, elle appartient à la ville, celle-ci. Hein, ouais, ça c'est clair. Bah, comme toutes les barrières. Attention à toi, y'a rien écrit. Y'a une poignée, on dirait un store, tu sais, les rideaux là. Je te confirme que c'est bien les trucs de store, ouais. C'est de la ville, ça. Non, c'est de la public. Ça. Pas au public. Ouais. Bon, pareil, c'est. Tu vois, c'est de là qu'il venait mon rouge. Eh, c'est tout à fait pareil, ça a rien à foutre dans l'eau. Voilà, ça, tout ce que j'ai à dire. Ouais, pas longtemps. Tu vas choper avec lequel, celui-là? Le bulldog 8. Avec le bulldog 8. Regardez, il est tellement dangereux qu'on l'a mis derrière les barreaux. Je m'en approche pas parce qu'elles sont pas très bonnes en fait. Donc, comme je suis sensible aux odeurs. Bon bah. Belle trouvaille. Yo. Belle trouvaille. Pourquoi? Ça a pas filmé, moi. Bon les gars, nous sur ce, on vous reprend après. Ok les gars, on vous reprend juste pour un petit récap vite fait. Il y a le poteau là, de toute façon, tout ce que vous avez vu là. Voilà, ça pêche par ici aussi. Et on essaye d'avoir quelque chose qui résiste depuis tout à l'heure, on est d'accord. Ok. Bon, bah si jamais tu arrives. Ouais. Je vous le dis. Et chez le magnéticien, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. Ok. Avec le bulldog 8 là. Hein? Je suis avec le bulldog 8. T'es avec le bulldog 8, hein? Ouais. Le bulldog à magnéto. Envie de passer des nuits inoubliables. Des nuits inoubliables, ok. C'est... Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vas-y, mon pépère. À part de la bonne salade, c'est tout. Ok. Oh, bah là-bas, il y a de la prise. La barre de l'enfer. L'éternel. Avec le torchon. Ouais, bah. Bon, c'est vraiment la toute petite barre. Hein. Ok. Bon, c'est sur ça. Hein. Ben oui. Tu sens moins dans la flotte. Carrément même. La fin. Oh, bah tu vois, spirale finalement. Elle sert à quelque chose la barrière. Elle sert. Elle sert d'un coup de barre. Non, ouais. On va éviter. Hein. Bon, bon. Je sais pas si t'as remarqué, ils montent légèrement au pied. Ouais, c'est comme ça. C'est pour les emboîter les unes aux autres. Bon, les gars, on va reprendre après. Allez les gars, on vous reprend, là vous voyez l'équipe en train de travail sévère. Je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà. Au bout de 8, hein. Toujours. Et la 28. Oh, la fontaine. Allez, propre. Merci beaucoup monsieur dame, c'est gentil. Et de 28. Elle en coud, elle en acier quoi. Bah elle a l'air bien lourde, hein, copain. Hein, c'est le bout que t'as ramassé tout à l'heure, on dirait. Ah, ouais. Le pied? Non, tout, c'est plein, tout est plein. Elle doit pas être toute jeune celle-ci alors. Hein. Non, mais vous regardez, elle est en hyper bon état contrairement à tous ceux qu'on a. Les 28 qu'on a fait, les 27 avant, il manquait toujours un morceau. En tout cas, c'est pas du galvanisé. Bon bah. Non, je te confirme. Ah bah, vu le poids, c'est pas lui. 100% des pollutions, les amis. Attends, t'as vu, je pense que c'est gaffe.
Il a bonne moue, pas plus que je fais déjà. Ça rose tout le monde, comme un gros barbare. Abonnement, les copains. S'il vous plaît, abonnement. Bien joué, mon magnéticien. Quand ton frère va voir ça, parce que ton frère les voit, il va être fier de toi. Hein. Ah, bon de... Allez, tout noir. Joli. Il y a des nouveaux barreaux de prison là. Joli. Allez. Bravo les gars. Allez les copains, voilà, on vous reprend après. Ok les gars, donc on va vous faire une récap globale. Une récap globale de tout ce qui a été fait. Et c'est beaucoup de ferraille. Là il y a la barrière qu'on vous garantit, celle-ci elle est super lourde les copains. Ouais. Ok. Là on commence à tout rassembler pour tout débarrasser. Okay. Voilà. On va tout. Non, la poubelle il a dit. On va tout enlever les copains. Je vais en profiter pour remercier l'ami Spirale Démoniaque de m'avoir rejoint pour cette vidéo. Mais il n'y a pas de quoi, c'est moi qui te remercie. Et surtout les copains, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, si vous voulez découvrir Spirale, le lien sera dans la description les copains. Vous avez juste à cliquer, à aller voir, à lâcher un petit abonnement. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Merci. Au copain, le magnéticien. Comme d'hab. Le caméraman qui est occupé au téléphone, mais merci à lui aussi. Sur ce les copains, nous, on va vous laisser ici pour aujourd'hui. Ça a été une grosse journée, enfin une grosse pêche à l'aimant. Ouais. Il y a eu du lourd, il y a eu. Surtout la dernière barrière là, elle pesait. La dernière barrière elle pesait, ouais. Il y a eu du blocage d'aimant, il y a eu de la galère, Il y a eu des collègues, c'est pas du galvanisé celle-là. Non, elle était pas galvanisée celle-là, je te le confirme. On va remercier aussi nos deux amis d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Merci les gars. C'est pas un truc que je fais. Non, il y a. Bon, sur ce, les copains, on va vous laisser là. Vous connaissez le principe des vidéos. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et on se reprend bientôt pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. À bientôt, les copains. Mais il faut mettre dans les trous, Les copains, bonus d'après de fin vidéo. On l'aura pas, il part sur le pied. Wow. Délire. Montrez que vous êtes Il y a quand même 3 aimants là-dessus, là. Hein. 2 400 à 800. Faut la faire revenir comme ça, les gars. Mais non, t'inquiète, on va la sortir. Hey, mais quelqu'un vient, Alan, avec ton aimant, mets-toi là-bas et viens. Eh bah putain. On va la tirer du pied, mais vers l'eau quoi. Faut la briser. Là comme ça on a pas de pied. Allez, prenez des barrières, on va essayer de la pousser. Faire les fils de levier. Allez les gars, quand c'est sorti on va reprendre. Allez les gars. Ça y est les gars, là elle est terminée. Cette fois-ci on vous laisse. Allez, à la prochaine les copains.